الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الشعبة 61 من شعب الإيمان، باب مقاربة أهل الدين ومودتهم والمصافحة والمعانقة، وذكرنا التحابب في الله والزيارة في الله. Alors c'est la 61e branche de la foi que le Bayhaqi a abordé, c'est le fait de s'approcher des gens qui craignent Dieu, le fait d'être avec eux, de les aimer, et le fait de se rendre visite pour l'agrément de Dieu, faire des cadeaux pour l'agrément de Dieu, s'aimer pour l'agrément de Dieu. يقول البيهقي بالإسناد عن عمر بن الخطاب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله عبادا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لمكانهم من الله عز وجل. Alors البيهقي a rapporté de عمر رضي الله عنه que سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام a dit il y a des esclaves. Parmi les esclaves de Dieu, ils ne sont pas des prophètes, ils ne sont pas des martyrs. Mais les prophètes et les martyrs, ils sont, lorsqu'ils les voient le jour du jugement, ils aiment leur place et ça leur, ils sont très contents pour eux. Et c'est quelque chose de... ils voient qu'ils sont bien agréés par Dieu. « قالوا يا رسول الله » معنى يغبطهم أي يفرحون لما هم كأنهم يتمنون أن يكونوا مثلهم ومن غير حسد يغبطهم ils sont contents pour eux et ils veulent qu'ils auront la même chose. قالوا يا رسول الله من هم وما أعمالهم أخبرنا من هم. Alors on a dit au messager de Dieu lesquels, qui sont ces gens. قال هم قوم تحبوا بروح الله على غير إرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها. C'est des gens qui se sont aimés pour l'agrément de Dieu, c'est pas parce qu'ils sont des proches du côté mère ou père, c'est pas parce qu'il y a une certaine chose bénéfique comme bien, comme argent. لا أرحام ليس قصة قرابة وليس قصة مال يتعاطونه. فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور. Alors on voit dans leur visage une lumière et ils sont dans une la guidée. Ils sont dans la guidée, على نور أي على هداية. لا يخافون إذا خاف الناس. إذا خاف الناس. Lorsque les gens seront dans la peur et la crainte, eux, ils ne sont pas dans le peur. ولا يحزنون إذا حزن الناس. Lorsque les gens sont affligés ou tristes, eux, ils ne seront pas affligés ni tristes. ثم قرأ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Après, il a cité الآية. Que les vrais adorateurs, les vrais pieux, ne seront pas dans la peur et dans la crainte le jour du jugement. أيضا في الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا زار أخا له. Dans le hadith juste, un homme dans les communautés précédentes a visité son frère. فأرصد الله له على مدرجته ملكا. Allah تعالى a envoyé un ange sur son chemin. فلما أتى إليه il est arrivé vers lui il lui a dit où vas-tu أين تذهب إلى أين تريد قال أخا في هذا القرية un frère dans ce village قال هل لك هل له عليك من نعمة est-ce qu'il a un bienfait qu'il a fait pour toi et toi tu viens pour le remercier قال لا غير أني أحببته في الله il a dit non il n'y a pas ça mais je l'ai aimé pour l'agrément de Dieu قال فإني رسول الله إليك يعلمك بأن الله عز وجل أحبك كما أحببته. Il a dit l'ange, je suis envoyé pour te dire que Allah Ta'ala t'agré comme tu as aimé ton frère. وهذا الحديث فيه أنه ألي نعمة ألي قرابة ألي حاجة. Il y a dans ce hadith rapporté par Muslim que on lui a dit est-ce qu'il y a un bienfait que tu dois le remercier pour le remercier. Il a dit non. Est-ce qu'il y a un lien de parenté. Il lui a dit que non. Est-ce que pour un besoin. Il lui a dit que non. Il a dit pourquoi. Il a dit je l'aime pour Dieu. Alors, l'ange a dit, Allah Ta'ala m'a envoyé pour te dire qu'il t'agrée pour ça, et il te donne le paradis. Et then, إِنَّ اللَّهَ يُعْلِمُكَ أَنَّهُ يُحِبُّكَ لِحُبِّكَ إِيَّهُ وَقَدْ أَوْجَبَ لَكَ الْجَنَّةُ كَانْ شُوَ عَمَلُوا C'était quoi? C'est le fait qu'il a voyagé pour visiter son frère. Est-ce qu'on peut dire au frère de plier son pied de l'autre côté? Euh...
وعن نافع عن ابن عمر قال: بينما أنا جالس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فسلم عليه ثم ولى عنه. Il a dit Ibn Omar que j'étais chez النبي عليه الصلاة والسلام assis et un homme est venu et il lui a adressé le salam puis il est parti. فقلت يا رسول الله والله إني لا أحب هذا. عبد الله بن عمر après que cet homme est parti, Abdullah il a dit ya Rasulallah, je jure par Dieu que cet homme je l'aime beaucoup, je l'aime. فقال هل علمت أخاك؟ عبد الله النبي أدي عمر النبي أدي عبد الله في الدعاء. Est-ce que tu lui as dit que tu l'aimes? Est-ce que tu lui as dit? قلت لا. Il lui a dit que non. قال فأعلم ذلك أخاك. Annonce cela à ton frère. فاتبعته فأدركته فقلت والله إني لأحبك لله. Alors سيدنا عبد الله بن عمر l'a suivi jusqu'il l'a rencontré. Il lui a dit je jure par Allah, je t'aime pour l'agrément de Dieu. فقال هو وأنا والله أحبك لله. Alors l'autre lui a dit et moi aussi je t'aime beaucoup, je t'aime لله تعالى. قلت لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أن أعلمك لم أفعل. Il a dit si le prophète m'a pas dit cela, de t'informer, je n'allais pas le faire. Mais le prophète, il lui a dit, « إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. » Si l'un de vous a aimé son frère, qu'il lui dit, « ليش ?» لأن هذا يقوي العلاقة, يقوي الروابط. Ça renforce le lien et l'amitié. أنت ما أحببته لمصلحة, أحببته لله. Toi, tu ne l'as pas aimé pour un intérêt, tu l'as aimé pour l'agrément de Dieu Azza wa Jal. وعن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله له لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له. Alors il a dit سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. عائشة a rapporté que سيدنا محمد a dit trois choses je jure par Dieu sur ces trois choses. Celui qui est dans l'islam, il n'est pas comme celui qui n'est pas dans l'islam. Celui qui est musulman, il n'est pas comme celui qui n'est pas musulman. الذي لهم سهم في الإسلام ليس كمن ليس له سهم في الإسلام. لأن الذي ينجي من الخلود الأبدي في النار هو الموت على الإسلام. Le fait, ce qui sauve les gens le jour du jugement, de l'éternité de l'enfer, c'est le fait de mourir en étant musulman. فإذا من له سهم في الإسلام ليس كمن ليس له له سهم. C'est lui qui a un part dans l'islam, qui est dans l'islam, il n'est pas comme celui qui n'est pas dans l'islam. وسهام الإسلام الصوم والصلاة والصدقة. Il a dit Sayyidina Muhammad encore les parts dans l'islam. Il a dit le jeûne, la prière, le jeûne, la prière et l'aumône. ولا يتولى الله عبدا فيوليه غيره يوم القيامة. يعني si quelqu'un Allah Ta'ala l'a pris l'a soutenu alors il ne sera pas délaissé le jour du jugement. Si Allah Ta'ala a soutenu quelqu'un, c'est-à-dire il a voulu pour lui, il l'a guidé à faire de bien, il ne sera pas délaissé le jour du jugement. إذا الله سبحانه وتعالى تولى عبدا بمعنى إيش حماه من الحرام ووفقه للخيرات فلا يتركه يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا جاء معهم. Il a dit à chaque fois une personne aime des gens, ils viennent le jour du jugement. كما جاء في الحديث أنت مع من أحببت. أنت مع من أحببت. Toi tu aimes tel ces gens, tu viens avec eux le jour du jugement. قال لو النبي إلا أني أحب الله ورسوله. قال أنت مع من أحببت. Il a dit mais j'aime Dieu et son messager. Il a dit tu seras le jour du jugement avec celui que tu aimes, c'est-à-dire avec le messager de Dieu et sous la clémence de Dieu Azza wa Jal. والرابعة إن حلفت عليها رجوت أن لا آثم ما لم يستر ما لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستر الله عليه في الآخرة. Alors il a dit la quatrième, je jure sur ça et je serai pas dans la désobéissance si je dis si une personne a couvert son frère, il ne l'a pas dévoilé et il sera encore le jour du jugement, ne sera pas dévoilé par Dieu. يعني أنت لا تفضح العباد تستر عليهم. فإذا كنت عملك أن تستر على العباد فالله تعالى إيش يسترك
يوم القيامة. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب عبد عبدا في الله عز وجل إلا أكرمه الله، وإن من إكرام الله إكرام ذي الشيبة المسلم والإمام المقسط وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي ولا المستكثر به. طيب alors là ici lorsque ما أحب عبد عبدا في الله عز وجل إلا أكرمه الله، lorsque une personne aime un autre pour l'agrément de Dieu, Allah l'honore. هاي واحدة. هلا من المطلوب منا ce qui est demandé de notre part si tu veux être honoré par Allah subhanahu wa ta'ala, إذا تريد أن يكرمك الله أكرم ذي الشيبة المسلم. Lorsque tu vois une personne âgée qui a les cheveux blancs, honore lui, Allah t'honore. إنه إذا أردت إكرام الله لك أكرم ذي الشيبة من المسلمين، honore et respect celui qui a les cheveux blancs qui est âgé parmi les musulmans. والإمام المقسط، et honore l'imam qui est juste. وحامل القرآن الذي هو غير غال فيه، et celui qui a appris le Coran honore le. Celui qui a appris le Coran par cœur tu vas l'honorer, tu le respectes. بس بإيش؟ قال لي غير الغالي ولا الجافي. الغالي الذي يتجاوز الحد فيه، il faut pas qu'il soit parmi ceux qui exagèrent en dépassant les limites, en rendant certains ayat qui ne donnent pas l'obligation, lui il rend cela obligatoire. Alors il faut pas qu'on dépasse les limites en utilisant le Coran, il faut pas dépasser les limites et il faut pas le délaisser sans le pratiquer. ولا الجافي بمعنى ايش؟ يترك العمل به. لا ينبغي أن تكون من المغالين ولا أن تبتعد عن العمل به. Il faut pas que tu sois parmi ceux qui exagèrent dans les versets du Coran en dépassant les limites non plus. Il faut pas les délaisser. ولا المستكثر به، c'est-à-dire il faut pas que tu achètes ta religion par le Coran. إنه بدك أنت تريد الدنيا بهذا القرآن. المستكثر به، il faut pas que tu cherches la dunya par le Coran الكريم. هلا ما عم بحكي أنا إذا كان واحد أراد أن يعلم وأراد أجرة. On parle pas de celui qui veut enseigner et il demande qu'un contrepartie. C'est pas ça. بس بعض الأحيان بيستعمل هذا الأمر للدنيا. الهدايا بده الهدايا ويريد يعني يأكل بدينه. Alors il faut pas que la personne utilise le Coran pour avoir la dunya et pour avoir que les gens lui font des cadeaux ainsi de suite. C'est ça qu'il faut pas le faire. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.